What are we doing here? This is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You want to rally, to go to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him. Les amis, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Balenciaga là. Ça fait rire parce que... Attends, on a eu un débat ce matin. Je sais pas, déjà dites-moi si vous avez entendu et après je vais vous dire. Parce que c'est... ça a été long. Bon, en gros, je vous raconte vite fait parce que je vois plein qui... Il y en a plein qui connaissent pas et nous, on doit partir manger. Mais... En gros, ce qui s'est passé avec Balenciaga, ils ont fait une campagne avec des enfants et avec des contenus sexuels. Et si vous voulez, il y a eu notamment un post d'un sac à main qui était posé sur une pile de papier. Et ces papiers contenaient des papiers qui concernaient de la pédopornographie. Donc, ça a fait un scandale, évidemment, de ouf. Et moi, j'étais content du coup que ça leur arrive, parce que si c'est vrai qu'ils contiennent ce genre de choses, ben évidemment, ils doivent être condamnés et être punis, et pas juste prendre la parole pour qu'on oublie l'affaire, en gros. Et ce à quoi elle m'a répondu, et je trouvais ça dommage que ça arrive encore, c'est que Alexander Wang avait eu des histoires de viol avec des mannequins. D'abus sexuels, avec des mannequins. Et que maintenant ça continue de marcher pour lui et que ça a presque eu aucun impact quoi. Et c'est ça qui est un peu chaud dans ce monde-là. Et c'est ça qu'on déplore. Voilà, vous connaissez toute l'histoire et j'espère qu'on va passer à un sujet un peu plus gay. Bon, on va quand même changer un petit peu d'ambiance hein, parce que là on a un peu blasé tout le monde. Ça sera sur la Coupe du Monde, même si ça fait aussi beaucoup parler. Il y a quand même la France qui joue, donc on va quand même soutenir. On vous a mis un prono public avec France Prono, donc n'hésitez pas à venir checker tout ça sur le site. Évidemment, je vais vous remettre le lien. Et on a aussi un très très gros prono avec une très jolie cote, mais c'est pour les abonnés, en sachant que voilà, avec le code Adrien, vous avez le premier mois qui a seulement 1 euro. Donc ceux qui veulent essayer, je vous en prie, je vous dis à bientôt et j'espère qu'on va continuer de carburer sur tout ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir aller manger, il est déjà 15h et j'ai repéré une nouvelle petite adresse, donc je vais aller goûter tout ça. Bon les amis, on vient de sortir de table, on vient de se régaler, franchement c'était un petit brunch très sympa. Là on va aller rentrer se poser un petit peu, regarder le match des Bleus, hein, voir ce que ça donne, voir les performances. Et on a surtout un invité ce soir. L'invité c'est Monsieur Julien Bert, l'élu, comme on l'appelle dans le jargon, qui va arriver à la maison pour... On va se préparer pour aller à Rouen. Et oui, on va aller à Rouen, retourner la ville, au beau club, les amis. J'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous. Je vais aller me reposer et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et ben voilà le prono qui passe grâce à France Prono et direction les huitièmes de finale avec l'équipe de France. Allez, on part du côté de la Kabylie. Il est là, mon S. Il est là, je suis sûr que jamais. Il est là. Ouais, mec. N'existait pas, elle est passée